Je passe au message suivant et nous aurons donc la révélation complète de Jésus-Christ. Je vous dis quelque chose, tu ne seras plus jamais le même dans ta vie. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, j'amène tes fils et tes filles, j'amène ton peuple, ministre et membre, j'amène tout le monde devant toi maintenant et je prie. La parole complète de Christ soit accomplie dans chaque vie au nom de Jésus. Glorifie-toi dans chaque vie. Glorifie Christ dans chaque vie. Et la puissance, la force, la compréhension qui nous amène à mener une vie qui glorifie Dieu apparaît à chacun de nous et fais-le dans chaque vie, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir, nous parlons de Jésus. Nous l'avons vu de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, il reste X. Et quand nous aurons fini, l'œuvre complète de Christ sera accomplie dans ta vie. X, Y, Z, Jésus, celui qui brise les jougs et élève Sion à son zénith. C'est-à-dire Christ, qui vient dans ta vie, il a porté la croix, il a porté cette croix pour toi, et il a été crucifié sur la croix, c'est la croix, celui qui porte la croix, et il élève Sion, Ésaïe 10. Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et son joug de dessous ton cou, et la graisse, le joug sera annulé par l'onction, à cause de l'onction. Le Seigneur aujourd'hui brisera toujours de ta vie. Il y a trois points dans le message. Premièrement, Jésus, le Sauveur, porteur de la croix. Jésus, le Sauveur, porteur de la croix, qui sauve les pécheurs, soutient notre fermeté. Deuxième point, Jésus, celui qui porte le Seigneur porteur de joug, nous offrant le repos et ravivant l'âme à la sérénité spirituelle. Troisièmement, Jésus, le roi destiné de Sion, possédant l'autorité sur les extrémités de la terre. Premier point, Jésus, le Sauveur, porteur de la croix, pour sauver les pécheurs et soutenir notre fermeté. Il y a trois éléments à voir dans ce message. Trois éléments. Premièrement, le substitut crucifié sur la croix, nous permettant d'être crucifiés au moi, d'être crucifié au moi, à la honte, dans la société. Deuxième élément, c'est le chercheur sondant les cœurs avec le jugement final du ciel. Le chercheur sondant les cœurs avec le jugement final
céleste finale, troisième élément. Nous avons Christ, le fils photocopieur, reproduisant des fils similaires, sincères, comme le fils. Premier élément, le substitut crucifié sur la croix, nous permettant d'être crucifié au moi ou à la honte dans la société. Voyons. Galates, chapitre 2. Galates 2. Verset 20. Verset 2 de Galates, verset 20 de Galates 2. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il a été crucifié sur la croix. Et il nous dit que nous aussi, nous devons porter notre croix. Et comme tu portes la croix, et tu portes sa croix va t'affranchir complètement au nom de Jésus. Il nous dit, j'ai été crucifié. Tu viens à Christ et tu t'identifies à lui, avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu es crucifié avec Christ, si tu t'identifies à Christ, Christ vit en toi. Et la vie que je vis, maintenant je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. La vie que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu crois cela? J'ai dit, est-ce que tu crois cela? Regarde chez un homme qui est venu à la retraite. Il a entendu tout sur Jésus. Et comme nous sortons, nous le voyons en train de boxer quelqu'un, de se bagarrer avec quelqu'un. Et on dit, ah, ami, viens ici. Est-ce que tu n'étais pas à la retraite? Oui, bien sûr, j'étais là. Est-ce que tu n'as pas entendu que nous donnons notre vie à Christ? Oui, je l'ai fait. Et je suis crucifié avec Christ. Et tout ce que je fais maintenant, c'est Christ qui vit en moi, qui le fait. Est-ce que Christ boxe les gens? Regarde cette personne qui a fumé et est en train de cracher les... La fumée. Ah, on te demande, tu n'es pas en Christ? Bien sûr, je suis en Christ. Je suis sauvé. Je dois te dire. Et je me suis même sanctifié. Et ce qui sort de tes narines là, c'est quoi? C'est la fumée de ma cigarette, bien sûr. Mais tu dis que Christ vit en moi, non? Et la vie que je mène maintenant, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ, en toi, fume marijuana. Alors pourquoi tu dis que tu fumes et que tu es en Christ? Tu vois quelqu'un qui est dans ce lieu sombre là, quel que soit le nom qu'on donne, et il entre là-bas et il fait ce que les pécheurs font. Et comme il sort de là, et il tombe dans tes mains. Et tu dis, je pense que j'étais vu quelque part, non? Est-ce qu'on s'est rencontré? Ah, peut-être que tu m'as vu à JCK, hein? Ah, tu m'as vu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je t'ai vu. En réalité, quand il a dit, si tu donnes ta vie au Seigneur, lève la main. Je pense que c'est moi qui me suis même approché de toi et qui t'a donné la fiche. Bien sûr, c'était moi. Ah, tu es né de nouveau? Bien sûr, je suis né de nouveau. Mais ce que tu allais faire là-bas, là, Christ vit en moi. Est-ce que Christ qui l'a fait
Est-ce que Christ commet la fornication? Que Dieu n'ose, que Dieu n'ose. Quand nous sommes sauvés, nous menons la vie crucifiée. Toutes ces choses que nous faisions par le passé, toutes ces choses dans lesquelles nous engageons par le passé, toutes ces choses sont passées de nos vies. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le deuxième élément maintenant, deuxième point, c'est le chercheur sondant les cœurs avec le jugement céleste final. C'est lui qui sonde nos cœurs. Et c'est lui qui prononce le dernier mot, le jugement final sur les hypocrites, sur les prétentieux et le jugement final sur les vrais enfants de Dieu. En Jérémie, au chapitre 17, 9. Le cœur est tortueux par dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10, il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » C'est lui qui examine nos cœurs, nos vies. Et rien ne peut être caché de cette radio. Même dans les os, il voit et révèle tout. Tout ce qui est dans les poumons, il examine et révèle ce qui se trouve dans les cœurs. Il révèle et montre tout. La Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs et sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il nous connaît. Voilà pourquoi en Psaume 139, 23, sonde-moi, ô Dieu. Je m'amène à toi, je me laisse sous ta radio pour que tu puisses découvrir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est caché et que tu les ressortes. Psaume 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Dans le verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il te conduira sur la voie de l'éternité au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, dans le premier point, le fils photocopieur reproduisant des fils similaires, sincères, comme le fils. C'est lui qui vient. Il vient faire en nous, reproduire en nous l'image de son fils unique. En 2 Corinthiens, au chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lisons le verset 18. 2 Corinthiens 3, nous tous, enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, nous tous, ceux qui ont placé leur foi en Christ, nous qui, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur va reproduire sa vie, sa nature, en chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Jésus, le Seigneur porteur de joug, nous offrant le repos et ravivant l'âme par la sérénité spirituelle. Matthieu 11. Jésus, le Seigneur porté de joug, nous offrant le repos et ravivant l'âme par la sérénité spirituelle. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Est-ce que le docteur peut faire quelque chose avant que tu ne viennes à lui? Est-ce que le couturier peut faire ta tenue avant que tu ne viennes à lui? Pour la mesure, est-ce que ceux-là qui
font de bonnes cuisines pour te nourrir avant que tu viennes à la table. Tu dois venir, tu dois venir. Toutes les bonnes choses que Dieu a faites et pourvues pour que nous puissions les posséder, tu dois venir. Mais si tu es simplement là-bas et tu dis, je suis venu faire ceci, je suis venu nettoyer la cour. Comme tu nettoies la cour, qu'il purifie ton cœur et tu dois venir à lui. Comme la parole de Dieu est en cours, tu dois laisser le balai de la cour. Tu faisais ceci ou tu faisais cela, tu dois laisser tomber tout cela et tu dois avoir la chance de venir. Et tu dois venir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Quelqu'un là-bas crie Amen. Verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30, qui dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous allons voir trois éléments dans ce point. Le Jésus soumis, disposé comme notre substitut, à être le sacrifice sans tâche pour tous les pécheurs. Il s'est soumis lui-même. Le Jésus soumis, disposé comme notre substitut à être le sacrifice sans tâche pour tous les pécheurs. Deuxième élément, le Jésus briseur de joug, dispersant de façon surnaturelle toutes les forteresses sataniques. Toutes ces forteresses sataniques seront dispersées de ta vie au nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, le briseur de joug, dispersant de façon surnaturelle toutes les forteresses sataniques. Et troisième élément, Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement, avec la provision inexhaustible et la solution dans chaque situation. Premier élément, le Jésus soumis, disposé comme notre substitut à être le sacrifice sans tâche pour tous les pécheurs. Il s'est soumis lui-même. Voyons Jean au chapitre 18. Jean 18:3. Judas ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Verset 5. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Vous voulez m'arrêter? C'est moi. Vous voulez placer la couronne d'épines sur ma tête? C'est moi. Vous voulez me frapper le dos? C'est moi. Je vois que vous allez au lieu du jugement, vous voulez me juger injustement? C'est moi. Vous voulez me crucifier? C'est moi. Il s'est soumis. Il a tout abandonné. C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Verset 6. On nous dit, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous voyez, s'ils voulaient échapper, ils pouvaient s'échapper. Ils tombaient par terre. S'ils voulaient fuir et éviter la crucifixion, le sacrifice sur la croix du calvaire, ils pouvaient s'échapper. Mais il est resté là. Verset 7. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? »
et ils dirent Jésus de Nazareth. Verset 8. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. C'est donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il s'est soumis afin d'être le sacrifice pour tes péchés. Et il veut maintenant que nous nous soumettons à lui. Pas que nous nous soumettons plus à Satan. Pas que nous nous soumettons à la chair, mais que nous nous soumettons complètement à lui. Deuxième élément, Jésus le briseur de joug, dispersant de façon surnaturelle toutes les forteresses de Satan. Toutes les forteresses sataniques. Il dit, ne vous mettez point avec les injustes. Les injustes. Quand vous venez au Seigneur, il brise ce joug qui vous liait aux incroyants. Ne vous mettez pas avec les sous un joug étranger avec les incroyants. Dans le mariage, dans les affaires, dans le caractère, dans le comportement, dans leur soirée de nuit. Ne vous mettez pas avec les incroyants sur un joug étranger. Prenez le joug de Christ sur vous. En Matthieu 11, verset 29. Verset 29 de Matthieu 11. Prenez mon joug sur vous. Laissez les autres jougs. Joug d'idolâtrie. Le joug de l'esclavage. Le joug des liens. Le joug du mariage avec les incroyants. C'est un joug. C'est un joug. Laissez-le. Et prenez son joug sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos, du repos pour vos âmes. Amen. Amen là-bas. Amen dans toute l'assemblée là-bas. Troisième élément maintenant. Jésus, le même, hier, aujourd'hui et éternellement, avec la provision inexhaustible, inépuisable et la solution dans chaque situation. Jésus le même, hier, aujourd'hui, éternellement, avec la provision inexhaustible, inépuisable et la solution dans chaque situation. Ce que Jésus a fait par le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus-Christ, en hébreu, au chapitre 13... Verset 8, Hébreux 13, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a sauvé les pécheurs par le passé, il sauve les pécheurs aujourd'hui. Il a sanctifié les croyants hier par le passé, il sanctifie les croyants aujourd'hui. Il a rempli les âmes sanctifiées du Saint-Esprit par le passé. Il remplit toujours, sanctifie les croyants du Saint-Esprit aujourd'hui. Il a brisé tous les jougs du diable et a détruit toutes les œuvres du diable par le passé. Il le fait encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus. Et il pourvoit sa puissance et sa manifestation dans chaque situation. Inépuisable Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avant, il le fera dans ta vie aujourd'hui. Troisième point maintenant, Jésus, le roi destiné, Jésus le roi destiné, Jésus, le roi, destiné en Sion, possédant l'autorité sur les extrémités de la terre. Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, verset 6. Psaume 2, 6.
C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Dans le verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les incroyants, les pécheurs, les païens. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Jésus, le roi, destiné à Sion, possédant l'autorité sur les extrémités de la terre. Pour aller aux extrémités de la terre, nous voyageons de Jérusalem avant d'y arriver. Mais le Seigneur est roi sur toutes les extrémités de la terre. Il y a trois éléments. Premièrement, Jésus, le sauveur de Zachée, offrant le salut au plus vil des pécheurs. Deuxième élément, Christ, le zélé, gardant de façon passionnée son temple pur et saint, séparé de tout péché. Troisième élément, le libérateur de Sion, qui le désir de toutes les nations venant avec le salut et la souveraineté. Premier élément, Jésus, le sauveur de Zachée, offrant le salut au plus vil des pécheurs. Zachée était le plus vil des pécheurs. Si tu es le plus vil des pécheurs, comme tu as vu le cas de Zachée, il va te sauver aussi. Il changera ta vie. Dans toutes les choses qui dominaient ta vie, il va tout transformer. Luc, chapitre 19. Luc 19, 5. Il nous dit, Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, il va demeurer dans ta maison, dans ton cœur. Il va demeurer dans ton cœur. Et les gens commençaient à murmurer, il est allé chez un pécheur. Les gens détournent tous les yeux de leur péché. Ils excusent toujours leur péché. Ils exagèrent les péchés d'autres personnes. Il est allé loger chez un pécheur. Verset 8. On nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et dit, oui, je suis un pécheur. Et j'ai pris des choses chez des gens. Mais je suis prêt à faire la restitution. Verset 9. Verset 9. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Où est-ce que le salut vient aujourd'hui? Il dit, où est-ce que le salut vient aujourd'hui? Ce salut vient à toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré aujourd'hui. Cette nouvelle vie, aujourd'hui, cette transformation est entrée dans dans ce cœur. Et ce sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Verset 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Chercher sauver ce qui était perdu. Tu étais perdu temporairement. Tu ne seras plus perdu pour toujours. Parce qu'il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Deuxième élément, le Christ zélé, gardant passionnément son temple pur et saint, séparé
de tout péché. Vous savez, quand vous êtes sauvé, vous devenez le temple du Seigneur. Et il veut habiter en vous. Et le Père Dieu veut habiter en vous. Et le Saint-Esprit veut aussi habiter en vous. Mais il est saint. Il est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Il doit donc rendre ce lieu saint avant d'y habiter. Et Christ, avec zèle, avec passion, purifie le temple afin que son temple soit le lieu de prière et non. Et les disciples ont réalisé que c'est de lui-là été écrit le zèle de ta maison me dévore. En 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un détruit, souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu, et ce temple doit demeurer saint, pur, pur saint, et aucune œuvre de la chair ne doit être autorisée dans aucune partie de ton corps, touchant, goûtant, ou embrassant le péché, et embrassant le péché, tout cela doit disparaître de ta vie au nom de Jésus. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Troisième élément maintenant, le libérateur de Sion, le désir de toutes les nations venant bientôt avec le salut et la souveraineté. En Romains 1, Romains 11, verset 26, Romains 11, 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Il vient à toi aujourd'hui. J'ai dit, viens à toi aujourd'hui et il changera toute impiété de ta vie. Partout Christ vient, partout Christ va habiter, il préserve ce lieu où il habite afin que l'impiété, l'injustice, l'impureté n'aient pas de place là-bas. Et je viens maintenant pour te présenter au Seigneur. Et toi aussi, tu dois te présenter totalement au Seigneur. Et il va ôter toute impureté. Amen. Il va ôter toute injustice. Amen. Il va ôter toute impiété. Et il te rendra aussi pur comme la pureté, plus pur que le diamant. En Tite 2, Tite 2, lisons le verset 14, Tite 2, 14, Tite chapitre 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Rappelez-vous, tu personnalises les promesses et les provisions de Dieu. Qui s'est donné lui-même pour moi, afin de me racheter, de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il va ôter cette attitude dormante, il va ôter ça de ta vie. Et il te donnera le zèle du Sauveur lui-même, et tu seras zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons parcouru d'Alpha à Omega, A à Z, de Jésus. Que Jésus remplisse ton cœur.
remplisse ta vie. Reproduise les attributs du ciel dans ta vie au nom de Jésus. Donne-lui la chance de le faire et il agira miraculeusement dans ta vie. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Parlons à Dieu dans la prière. Tout ce que tu m'as révélé concernant Christ soit reproduit en moi. Il le fera.